kanyi bia e egu mama iwo yoyo ni sututu ka wa je lafia ni mali ma so na wa zo azu wa welele o kai je bi degu o tabi ko lo bia ka wa no nula o ya na lo mi ma so ei anoro ka wa sa chuma na chuma ne kununu aku ka madi bege chona gora ehoro nanya akwae pututu to yo bachi yanke yakokwa na ya oyenke yakoro tuba tujo ekosi na ka ae ae kai de ne tolo lo À l'extérieur, hein? Tu veux faire quoi maintenant? À la rivière. As-tu fini ce que tu devais faire? J'espère qu'on a de l'eau. Je n'ai pas encore fini ce que je devais faire, mais je vais aller prendre de l'eau à la rivière pour ajouter sur ce qu'on a. Et je vais rentrer me reposer et finir ce que je suis en train de faire. Je ne te comprends pas. On a de l'eau et tu veux ajouter pendant que tu n'as pas fini ce que tu as à faire? Nam, ne te dérange pas. Je le ferai à mon retour. Si tu veux, puise de l'eau autant de fois que tu voudras. Mais sache-le, tu iras nulle part aussi longtemps que tu n'as pas fini ce que tu as à faire. Nam, ne te dérange pas s'il te plaît. Je le ferai dès que je vais rentrer. Es-tu en retard? Ah, je m'excuse, mon père m'avait demandé de faire quelque chose pour lui avant de sortir de la maison. Alors pourquoi tu l'as calé à son main? Ou tu étais en train de partir à la rivière et tu te rappelles que je devais venir ici? Non! Mon père ne voulait pas que je sorte. Si je ne terminais pas ce que je devais faire pour lui, alors je devais juste lui mentir pour venir travailler avec vous. Ici, tu n'as pas le choix. Parce que d'après le règlement du groupe,
T'es obligé de payer des pénalités de retard pour n'être pas venu à temps à la répétition. Mm-hmm. Nous étions d'accord, n'est-ce pas? Oui. Ifi. J'en ai pas maintenant, mais je payerai un peu plus tard. Ah, Ifi, Ifi. Nous avons assez répété aujourd'hui. Comme toi, tu n'as pas pu venir aujourd'hui à temps, ce n'est pas ma faute. Faut qu'on recommence tout à cause de toi. Et je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. J'ai eu vraiment fatiguée aujourd'hui. Parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Obochuku, viens s'il te plaît lui apprendre les nouveaux pas. Obochuku, c'est quand tu veux dans l'heure le départ. Obochuku, s'il te plaît, aide ton ami, non? Musique, allons-y. Laisse-moi tranquille. Je suis pas contente. Non, tu peux. Et tu le sais. Ce qu'elle faisait, ça voulait dire quoi? Je ne sais pas du tout ce qui ne va pas avec cette fille. Honnêtement. C'est évident que tu lui plais. Que dis-je? Qu'elle est amoureuse de toi. Tiens donc, est-elle aveugle pour comprendre que mon cœur t'appartient? Arrête de faire semblant. Tiens donc, chérie. Tu dois vraiment faire beaucoup attention. Parce que toutes ces jeunes filles que tu vois ne cherchent qu'à prendre ce qui ne leur appartient pas. S'il te plaît, ne leur permets pas. Mmh. Voilà mon conseil. Bonjour, Votre Altesse. Mes salutations à vous tous. Bonjour, Votre Altesse. Comme le prince est de retour, ce festival que nous préparons sera très, très meilleur. Allons. Et toi, Obiolavu, comment tu te fais appeler? Que fais-tu avec ma fille? Réponds-moi. Rien. Nous allons juste à la maison. Vous allez juste à la maison? Quelle maison? Et tu tiens toujours sa main? Vas-tu quitter ça avant que je brise ta tête? Non, s'il te plaît. Vas-tu te taire? Tu m'as déçu. Regarde-toi. Tu t'es donné moins cher à ce garçon, ce pauvre garçon qui n'arrive même pas à se nourrir. Et il y a des jeunes garçons dignes dans cette communauté et au-delà, dignes de ton statut en tant que ma fille. Ah, ok. Et le prince vient juste de passer. Ah, que penses-tu qu'il penserait de toi? En te voyant tenir la main de ce garçon ordinaire. Hein, Kem? Oh. Ah. Et toi, Obiora, écoute-moi. Ma fille est plus grande et plus chère pour toi de tenir. Tu ne peux même pas toucher ses pieds. Un bon à rien. Ma fille, maintenant écoute. Donne-moi ta main. Vite. Si je te vois encore regarder ma fille, je te tuerai. Maintenant, allons-y. Allons-y. Igwe. Mon fils. Votre Majesté. Mon fils est de retour. Bienvenue, fils. Merci. Merci, maman. Bon retour à la maison.
Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as pris du poids. Oh, papa, merci beaucoup. Tu as aussi pris du poids. Je peux voir que ma mère, la reine, s'est bien occupée de toi. Bien sûr. Tu peux le dire encore. Sois le bienvenu, mon fils. Merci beaucoup, ma Trop bien. Et toi? Merci. Bon retour, mon prince. Merci beaucoup, Ije. Que les dieux soient avec toi. Merci, Ije Ibe. Merci beaucoup. Je peux voir que je vous ai vraiment manqué. Je croyais être un prince ennuyant. Oh non, pas du tout. Dis-moi, quel est cet épisode que je manque ton fils a l'air d'un vrai roi. Merci, papa. Merci beaucoup. Viens, suis-moi. Oh. Mais papa, laisse-moi partir, non? Suis-moi seulement. Mais où est-ce que nous partons? C'est pas la route de notre maison. Nous n'allons pas encore à la maison. Viens ici. Nous n'allons pas encore à la maison. Nous allons directement au palais. Palais? Oui. Qu'est-ce que nous allons faire au palais? Ah, ah. Tu me demandes? Pour voir le prince, bien sûr. Nous allons au palais pour dire au prince, prince, bienvenue. Ah, des gens doivent te voir avec quelqu'un de classe. Et non avec ce garçon affamé. Hein? On doit te voir avec des gens de classe. Non, et pourquoi dois-je aller au palais pour saluer le prince? Suis-je un ancien ou je ne sais qui? Oh, tu vois ma fille ici, hein? Je vois maintenant que tu penses comme un enfant. Tu ne comprends pas. Maintenant, écoute. Le prince va bientôt choisir une jeune fille. Dès que tu vas là-bas et que tu le salues, il te verra et commencera par te guetter. Hein? Et dès qu'il commence par te guetter, hein, tu auras une place dans son cœur plus que les autres jeunes filles. Ah, papa, moi je ne comprends rien, je n'arrive pas à te comprendre, je ne comprends rien. Tu n'as pas rien besoin rien de comprendre. Viens. Ajuste ton habit. Ajuste-le. Viens. Je veux qu'il voit ta parure. Oui, papa, s'il te plaît, je n'apprécie pas ce que je fais. Je n'apprécie pas. Allons-y. Tu dis quoi? Comment était ton séjour dans le royaume de mon ami Igwe Akaifo? Oh, c'était agréable, mon père. Oui, j'ai été traité comme si je suis le prince dans le royaume là-bas. Fils, es-tu en train de dire que nous ne t'avons pas manqué? Non, maman, bien sûr, la maison m'a manqué. Aucun endroit ne peut jamais ressembler à son chez-soi. Absolument. Bien que ce soit une terre étrangère, mais j'ai été traité comme si j'étais sur ma terre. Tu vois, j'ai toujours connu Igwe Akaifo pour son hospitalité et sa disponibilité. Bien, dans peu de temps, je vais lui envoyer quelques messages de gratitude pour avoir pris soin de mon fils. Igwe! Je vous salue, mon prince. Je vous salue, ma reine. Salut, ma chère. Je vous salue, mon prince. Que les dieux te bénissent, ma fille. Merci, votre majesté. Mon prince! Mon prince! Notre grand prince! Le jeune lion qui frappe plus fort que son père. Tu es le bienvenu. Merci beaucoup, Ono. Ouais. J'étais sur le point de demander d'après vous avant votre arrivée. Au fait, je voulais venir plutôt pour te saluer. Mais tu connais les femmes avec leur maquillage. Ma fille, elle voulait mettre ceci et elle voulait mettre cela. Tu connais les femmes, non? Pour paraître plus belle. Elle a pris assez de temps, mais de toutes les façons, tu es le bienvenu. Et votre fille est en effet très charmante, je dois l'avouer. Ma fille, elle n'est pas seulement charmante. Elle est respectueuse, humble et aussi mon prince célibataire. 100% célibataire. En tout cas, avant que Ono ne commence pas à nous faire rire avec ses mots comme d'habitude, pourquoi ne pas nous chercher de boissons et de viande pour célébrer le retour du prince? Ah, Igwe dit que tu m'apportes de la boisson. Igwe.
Ngoyi. Mais pourquoi Obinne Dieu n'est pas encore revenu? Nzambi, Mama? Obi. Obi. Ojo. Mama. Tu as dit un voleur? Il avait déjà volé quelque chose. Mama, il a failli voler notre chèvre. Moi, il a mis ma casse boule. Mama, ne t'en fais pas, il est parti. Je ne pense pas qu'il va revenir. La seule chèvre que nous possédons. J'avais entendu des mouvements. Comment saurais-je que c'était un voleur? Qui voudra bien rester avec une pauvre veuve comme moi? Maman, ne t'en fais pas, Il ne va pas revenir, crois-moi. Je ne pense pas qu'il puisse revenir ici. Grâce au Dieu. Mais attache ça à un autre endroit, au cas où il revenait. Maman, il ne va plus revenir. Es-tu sûre? Maman, il s'est presque fait attraper. Je ne pense pas qu'il va revenir. Oui, maman. Maman, okay. Assieds-toi. Comment était ta répétition aujourd'hui? Maman, ça s'est bien passé. Tu sais, nous sommes même déjà prêtes pour le festival des veuves. Oui, maman. Gloire à Dieu. Tu sais, je prie que Dieu vous aide à gagner cette année beaucoup de choses. Comme ça, nous en profiterons tous pendant beaucoup de temps. Maman, t'en fais pas. Très bientôt, nous n'allons plus dépendre des cadeaux que tu reçois du festival des veuves. Né. S'il te plaît, regarde d'abord mon pied. Si le sang sort, parce que je venais de tomber il n'y a pas longtemps. Non, tu vas bien, Il n'y a rien qui ne va pas. Mais maman, je t'avais dit de ne pas faire ça. De ne pas donner à manger à la chèvre quand je ne suis pas là. Je ne voulais pas le faire. Mais la chèvre criait au point que j'étais obligée de venir lui donner la nourriture. Maman, elle n'allait pas mourir. Il fallait seulement que tu m'attendes. Tu n'as pas à me blâmer. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Bon, maman, je vais t'aider à entrer dans la maison, ok? Laisse-moi t'aider. J'ai mal. Père. Oui, mon fils. Cette période est censée être la saison du festival des veuves. Absolument.
Alors, est-ce que nous nous préparons pour ça cette année? Je suis très sûr que les demoiselles sont en train de se préparer afin que cela se déroule très bien. Mon prince, ces festivals sont devenus notre tradition. On ne peut pas s'en passer. Oui, c'est ça. Même les veuves commencent à se préparer pour ça. Parce que c'est la seule saison pendant laquelle elles peuvent se procurer des articles dont elles sont incapables d'acheter. Je suis très heureux d'attendre cela. Alors, sur quelle date exacte allons-nous organiser le festival? Fils, je pense que nous allons envoyer demander aux leaders des danseuses. Oui, je suis d'accord avec toi, ça c'est vrai. Non, les danseuses. Non, ma fille est ici. Nkem est ici. Elle est l'une de nos danseuses. Elle sait ce qui se passe là-bas, donc elle peut nous dire ce qu'elles font. Nkem, dis à la reine ce que sont vos plans. Il faut y penser, hein. Ça c'est vrai. Alors, Nkem, pourquoi ne pas nous parler? Oui. Longue vie à vous, votre majesté. Nous avons fini nos répétitions aujourd'hui. Nous sommes prêts pour les festivals. Ah, oh, ça c'est merveilleux. Dans ce cas, je pense que nous devons faire appel à Ono, le messager, afin qu'il informe la population que le festival va démarrer bientôt. Garde. Igwe. Ono. Igwe. Ono. Igwe, ça ne sert à rien d'envoyer les gardes me chercher. Je suis déjà là. Ono, la voix du gong. Ono, c'est le prince. C'est le prince à moi. Mon prince. Oh non, la voix du gong. Igwe, je ne vais rien faire du tout avant que vous ne m'apaisiez. Et donc, le prince est de retour et personne n'est venu me voir pour me le dire. Non. Oh non, on ne peut plus aussi en forme que tu joues. Ça va. Oh non, pas de problème. Oh non. Mon prince, ils ne savent pas que tu m'as manqué tellement. Hein? J'étais sur le point d'aller à ce village pour te supplier de revenir. Hey, mon prince. Hey. Anou. Tout ça pour Anou. Anou. Tout ça pour Anou. Tout ça pour Anou seul. Hey. Anou. Igwe, si vous étiez une femme, Igwe, moi je vous aurais épousé, Igwe. Igwe, que j'aille d'abord consommer ces ignames et cette poule. Alors je reviendrai pour que vous me disiez ce que vous voudrez que les gens entendent. Hein, Igwe? Oh non. Oh non. Igwe, que voudrez-vous que je dise aux gens? Oh non. Va préparer ton igname accompagné du poulet et reviens. Igwe Naba. Merci, Igwe. Igwe, l'homme dire. Mon prince. Oui. Ah, ma reine. Igwe, il peut te le dira. T'inquiète pas, il te le dira. Ah non. Qu'est-ce qu'il est amusant. Nam, je n'apprécie pas ce que tu fais ces derniers temps. Pourquoi tu me fais la honte devant mes collègues? Je ne suis plus une enfant. Je n'ai pas encore commencé à te honnir. Ok? Je vais te honnir. Je t'apporterai de la honte et je te plongerai dans la honte jusqu'à ce que tu apprennes à m'écouter. Ah, qu'est-ce qui te prend? Attends. Ne veux-tu pas être reine? Ne veux-tu pas faire partir de la royauté? Je te pose la question. Bien sûr que je veux être couronnée. Et alors? Alors pourquoi tu suis ce pauvre garçon? Pourquoi? Ce pauvre et sale garçon, un bon à rien. Hein? Au lieu de m'accompagner chaque fois au palais, hein? Et devenir la reine. Au fait, devenir la reine du prince. Nam. Hein? Tu ne fais que me dire que le prince veut fiancer et que je veux que moi je sois la fiancée du prince. Qui t'a dit que le prince cherche une femme? Ah, ne suis-je pas le chef des notables? Je sais tout ce qui se passe dans le palais. Le prince prendra une jeune fille. Il t'a fait l'œil doux. Je l'ai vu haut. Et c'est pourquoi je veux que tu ailles toujours là-bas. J'ai vu la façon dont il te regardait. Il regardait ta hanche. Hein? C'est ce qui veut dire qu'il s'intéresse à toi. Tout ce que tu dois faire, hein,
et de lui montrer que tu t'intéresses aussi à lui. J'avais vu la façon dont le prince me regardait aussi. Tu vois, Mena? Mais ça ne veut rien dire. En tout cas, d'après tout, il n'a rien dit. Il dira quelque chose très bientôt. Un peu de temps, il dira quelque chose. Ah. Je connais le prince. Il parlera. Il t'a vu, non? Nam, s'il te plaît, laisse-moi. Un, je ne veux pas me forcer à quelqu'un. Un, laisse-moi tranquille, papa, non. Qui te force à marier un homme? Hein? Nkem? Okay, Jilim. Peut-être le gars. Elle serait allée chez ce stupide garçon. Nkedjilim. Oh non, tu auras quelqu'un aujourd'hui. Je tuerai quelqu'un aujourd'hui. Attendez seulement. J'arrive. Quelqu'un me rave aujourd'hui. Je jure. Ouais. Dès que je le vois, je le tuerai. Je le tuerai. Oh non. Hein? Oh non. Hein? Où vas-tu avec une arme en pleine journée comme ça? Tu vas à la chasse? Cet après-midi n'est pas chaud. Mais je le rendrai chaud pour un garçon. Un animal. Bien. Mais s'il te plaît, lorsque tu tueras cet animal, garde-moi une partie. Je te donnerai ta part. Ne me retiens pas. Laisse-moi aller tuer cet animal. Oh non. Hey. Oh. Oh non. Si j'attrape ce garçon aujourd'hui, Nkem, je jure dans ma vie, aucun autre homme ne l'épousera. Elle est ma fille, elle m'écoutera. Nkem, suis-moi là, Obiora. T'inquiète. Nam. Tu es sorti d'où? De l'intérieur. Toi, de l'intérieur? Tu n'as pas entendu quand j'ai appelé ton nom? Tu n'as pas entendu? Non, papa, j'ai pas entendu. Tu étais allé où? Non, j'étais à l'intérieur. J'étais partie aux toilettes pour me soulager et quand je suis retournée, je t'ai cherché partout ici, je ne t'avais pas vu. Tu mens. Ah. Quelque chose me dit que toi, Nkedjilim, tu mens à ton père. Non, je ne mens pas. Pourquoi dois-je te mentir? Je ne mens pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment que tu mens. Non, je ne mens pas. Ah, pour j'entendre mon père m'appeler et ne pas répondre. Ce garçon. Je pense que le garçon l'attend enchanté. Mais je vais te délivrer. Nkedjilim, tu mens. Non, pourquoi tu dis ça, non? Pourquoi tu me traites d'une menteuse? Pourquoi tu dis que je suis en train de mentir? D'accord, ne pleure pas, ne pleure pas. Laisse-le. En tout cas, va à l'intérieur. Est-ce que nous avons encore de l'igname? Oui, Nam. Alors, va prendre un ou deux tubercules et que tu prépares. J'ai faim, je veux manger. Hein? Merci, oh Dieu, il ne m'a pas attrapé. Les gens de notre village... Les gens de notre village, il n'y aura pas de marché demain, car le festival de veuves aura bel et bien lieu demain. Préparez vos cadeaux. Les veuves seront réunies au centre du village.
Écoutez-moi très bien, oh. Écoutez-moi, oh. Permettez-moi, à mon nom et au nom de la famille royale, vous souhaiter la bienvenue, vous les jolies demoiselles de ce royaume florissant. Notre joie est sans limite du fait que vous aviez pris votre temps pour, une fois de plus, amener un sourire sur le visage des veuves. Nous ne pourrons pas peut-être vous récompenser collectivement et individuellement, mais nous savons pour de vrai que les dieux vous récompenseront. Nous savons pour de vrai que les dieux vous protégeront. Nous savons pour de vrai que les dieux seront avec vous. Igwe, reine-mère de nos terres, et vous, notre prince, moi, la chef des danseuses du village, je vous salue tous. Nous nous considérons bénies et chanceuses d'avoir été choisies par les dieux de nos terres. Nous sommes tellement remplis de joie à savoir que ce que nous faisons éloigne la faim de l'estomac de toutes nos veuves pendant une longue période. Ainsi dit, puissent les dieux de cette terre vous bénir. Issé. Et qu'ils bénissent votre famille entière. Issé. Et qu'ils bénissent nous tous ici. Issé. Alors, sans trop tarder, afin de ne pas perdre notre temps, je, Igwe en personne, ici déclare ouvert le festival des veuves de cette année. Merci mon mari. Donc, vous allez tous aller dans la communauté, recevoir tout ce que vous pouvez avoir auprès de notre population, et je suis sûr qu'ils seront aussi généreux comme d'habitude. Bonne chance. Bonne chance à tout le monde. Merci. Igwe. Thank you.
Soyez toutes le bienvenu. Voilà ma petite contribution. Voilà. Que les dieux puissent continuer de nous bénir pour qu'on trouve plus pour vous soutenir. Ici. Que nos dieux vous bénissent toutes. Ici. Papa, papa, oh. Voici mon soutien. J'espère que ceci aidera à mettre du sourire au visage de nos veuves. Que le Dieu vous bénisse. Ici. Obianoudou, toi, leur leader, mon Dieu te bénira. Ici. Acceptez ceci. Hein? Allez dans les autres maisons. Hein? Allez rencontrer d'autres personnes. Et je sais qu'elles vous donneront plus que ceci. Hein? Je le sais. Bien, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de boire et de célébrer le succès du Festival des Veuves. Vous voyez, mon règne a été couronné de succès et je ne peux pas m'arrêter de remercier les dieux pour ça. Mon mari, mon roi, ma reine, tu as vraiment la faveur de Dieu. Je t'apprécie. Tu as tout dit. Papa? Oui? Maman? Oui, fils. C'est très important à dire. Allez-y. Il faut dire ça. J'ai assisté au festival et j'ai trouvé une magnifique demoiselle comme épouse, pour moi même parmi les danseuses. As-tu attendu ton Bien fils? Bien sûr que j'ai entendu. Ça, c'est très cool. Je veux dire, c'est plus qu'une double célébration. Nous sommes ici en train de célébrer le succès du Festival des Veuves. Et au même moment, mon fils est assis à côté de moi ici en train de me faire savoir qu'il a trouvé une épouse. Mais dis-moi, fiston, qui est cette demoiselle qui a pris ton cœur comme ça? Père, la fille d'Onohu est très belle et élégante. Je ne suis pas surpris. Tu sais, je t'ai vu la façon dont tu la regardais, sans retenue. Ça va, c'est un bon choix. Un très bon choix. Chuka, Votre Majesté. Tu connais déjà sa maison. Que cela soit rapide. Va chez Onohu. Dis à Bukem, la fille d'Onohu, que le prince veut la voir. Tout de suite. Père, tu n'as pas besoin d'en agiter. Ce deal est déjà fait. Onohu est mon ami. Allez, cours. D'accord, Votre Majesté. Vite. Onohu est mon élément, mon fils. Ok? Oui. Là, c'est déjà notre C'est vraiment intéressant. C'est dire déjà fait. Je vous salue, Onohu. Salut, mon fils. Chuka, j'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien. Hein? Est-ce que Nkem est à la maison? Nkem? Elle est à la maison. J'espère qu'il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème, Onohu. Le prince veut qu'elle vienne le voir maintenant. Le prince? Oui. Tout de suite. Hey! Nkemo! Nkem! Nam? Viens! Nkem? C'est arrivé. Allons-y. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tout va bien? Écoute-moi, tout va bien. Le prince t'appelle au palais immédiatement. Le prince a besoin de moi? Oui, oh. Ah. Tout de suite, vas-y. Pourquoi? Tu poses encore des questions.
Vas-y. Nam, pourquoi le prince a besoin de moi? Ne t'inquiète pas au sujet de pourquoi. Je t'apporterai tes habits. Même s'il veut que tu restes là-bas 2 jours, 3 jours, pas de problème. Tu devais lui demander pourquoi le prince a-t-il besoin de moi. Pourquoi tu poses des questions? Viens. Maintenant, le prince t'appelle dans le palais. Et tu iras au palais. Hein? Ah. Tout va bien. Non, je n'ai pas envie de ça. Tout va bien. Vas-y. Tout va bien. Bye. Hey! Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Hey, maintenant, ma fille va devenir la reine. Ses habits, elle en aura besoin. Donc, je vais lui en trouver quelques-uns. Hein? Sa Majesté. Ma reine. J'espère que nous allons inviter tout le village voisin pour le mariage de notre fils. Bien sûr. Le mariage de mon fils doit être entendu un peu partout. Je veux que tout le monde sache à quel point je suis fier que mon fils ait... C'est exactement ce que je pense. Ça sera un jour glorieux. Oui. Oh. Ma mère. Mon père. Voilà, elle est là. La future épouse de mon fils. Je vous salue, mon roi. Que les dieux te bénissent. Merci. S'il te plaît, assieds-toi. Merci, votre majesté. Bienvenue, ma chère. Merci, votre majesté. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien, votre majesté. Ok, ma chère. Je suis désolé que nous t'avons appelé de venir ici tout de suite. Pas de problème, votre majesté. Tu sais, mon fils ici... Hey, sa majesté. Ma reine. Notre fils est là. Alors laisse-lui parler lui-même. Oh, je pense que je suis très heureux. Ok, mon fils, je te laisse la parole. Nkem, j'ai dit, tu es belle et élégante. Il a aussi dit qu'il a trouvé une bonne femme en toi. Mère, je n'ai pas dit fils, ça. Fils, tu l'as dit. Je n'ai pas dit ça. Tu m'as dit... Ça ici, tu l'as dit. Je n'ai pas dit ça, père. Tu ne m'as pas laissé terminer. Tu n'arrêtais pas de dire ne dis pas plus. Ce que je voulais dire est ceci. Ok. Oui, tu es belle et élégante. Merci, mon prince. Mais il y a une autre qui est également belle et élégante comme toi. Mais elle possède une intelligence qui la classe comme la future reine de ce royaume. De quoi parles-tu, fiston? Fils, de qui es-tu en train de parler? Bien, je ne connais pas son nom, mais je sais qu'elle est la tête du groupe des danseuses. Quoi? Je crois que tu blagues. Tu es en train de parler de Obia Dunumwa, la fille des pauvres veuves. Je le pense, ma chère reine. C'est évident que ton fils a déjà perdu tous ses sens. Ah! Non! Igwe! Salut, Igwe! Salut, mon Igwe! Salut! Igwe, j'ai apporté ces habits pour ma fille. Ma fille, je t'ai apporté ces habits. Hein? Pour te changer. Reste ici 2 semaines, 3 semaines, au fait, aussi longtemps que le prince veut que... Igwe, ai-je dit quelque chose de mauvais? Oh non. Igwe. Tu n'as rien dit de mal. Mais s'il te plaît, pour le moment, rentre chez toi. Je t'envoierai de messages plus tard, s'il te plaît. Merci. Hi. Je suis contente que le festival nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Au moins, j'aurai assez de provisions pour beaucoup de jours. Maman, je suis vraiment content que nous ayons mis un sourire sur le visage. Non. Maman,
Les dieux de veuves seront toujours avec vous. Issé. Dalo. Oh. Merci, maman. Les Merci. Dieux sont toujours Merci. Avec nous. Afam. Maman. Je vais te demander. Quand est-ce que tu viendras demander la main de ma fille en mariage? Maman. Non, ce n'est pas à toi que j'ai demandé. Non. Réponds-moi. Oh. Maman, d'ici là, de toute façon. D'ici là. Et en fait, je dois me battre pour trouver de l'argent. Voilà donc. Ok, mon fils. Mais tu n'as pas à rassembler une grande somme comme les Igwe pour venir. Oh, je sais que tu es un homme de bon cœur. Et je sais que tu aimes vraiment ma fille. Alors, trouve tout ce que tu pourras. Peu importe. Petit que ce soit, amène ça. Je vous donnerai ma bénédiction. C'est bon, maman. Tu ne sais ma cassité. Hein? Merci, j'ai entendu tout ce que tu as dit. Il m'a juste de faire ce que je dois faire pour trouver de l'argent et venir. C'est bien. Ne va pas non plus faire n'importe quoi juste pour venir payer ma dot, oh. Ne fais rien qui va me déplaire juste parce que tu veux aller payer ma dot. Tu devrais au moins me connaître. Oui, déjà, je te connais, mais je dis quand même. Assez avec tout ça. Né, va dans ma cuisine. Dans ses bassins, amène une viande boucanée pour lui. Oh, amène ça pour lui, oh. Ma fille, Nkem, Nkem, qu'est-ce qui s'est passé dans le palais? Je n'ai jamais été embarrassée de la sorte de toute ma vie. Je t'avais interdit de me rapprocher du prince, mais tu n'avais pas voulu. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé dans le palais? Le prince. Le prince a dit qu'il ne veut pas de moi. Quoi? C'est Obianuzo qu'il veut. Il doit être saoul. Il doit être saoul. Comment est-ce qu'un prince pouvait s'abaisser ainsi pour un ordinaire? Jamais. Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Igwe ne va pas l'accepter. Pas seulement un ordinaire. Cette fille si pauvre d'une veuve. Hugo ne va pas l'accepter. J'ai vraiment honte de moi-même. J'ai vraiment honte de moi-même maintenant. Nkedjilim, tu es une royauté. Le prince t'appartient. Mais ce que je ne comprends pas est que pourquoi le prince enverrait t'appeler et puis tournerait le dos pour prendre une C'était autre. C'était Igwe qui m'avait appelé, ce n'était pas le prince. Si seulement j'étais au courant de ça, si seulement je le savais, je n'allais pas partir. T'inquiète, le prince t'appartient. Ma fille, le prince t'appartient. Attendez. Peut-être Obianuju aurait charmé le prince. Obianuju, tu vas me rencontrer. Obianuju, je te dis, tu vas me rencontrer. Oh non, où tu vas me rencontrer. Obianuju. Je ne laisserai pas ça arriver. Pas dans ce palais. Ah, comment veux-tu m'apporter la honte? Père, comment est-ce que mon choix sur la femme épousée sera une honte pour toi? Écoute-moi. Je dis écoute-moi. Tu es l'héritier direct de mon trône. Tu ne peux pas épouser une fille pauvre. Père, elle n'est pas une fille pauvre. Vraiment? Ok. De tout ce que j'ai vu et remarqué d'elle, elle a les qualités d'une bonne épouse. Et elle est mon choix.
Sais-tu qui est sa mère? Une veuve aveugle toute faite. Dis-lui ça. Et c'est ça le genre de belle-mère que tu veux? Fils, ce sont là de personnes que tu veux amener dans ces palais? Papa, maman, je suis désolé de dire ceci, mais vous aussi vous êtes aveugle comme... Oh, peux-tu arrêter ce que tu dis? Bien, j'ai fait mon choix pour toi. Tu épouseras la fille de Honoru, ou soit une autre fille, et non cette fille sans nom. Et ma décision est finale. Ok? Gare à toi. Ne nous amène pas des problèmes, mon palais. J'ai fait mon choix. Et je vais suivre mon cœur. Obinaya! Obinaya! Mon prince, vous m'avez appelé. Chuka. Oui, mon prince. Tu as fait quelque chose pour moi. Et je veux que tu sois très discret sur ça. Qu'est-ce que c'est, mon prince? Maman, merci pour la viande. Très bien préparée. Et ya. Très bien. Maman, je dois m'en aller maintenant. Mm-hmm. Je peux continuer chez mes faisans. J'ai quelque chose à fouetter à la maison. Merci, maman. Merci beaucoup. Maman, je vais le raccompagner. Maman, merci. Merci. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mes salutations à tout le monde. Salut, mon prince. Salut, mon prince. Que les dieux soient avec vous. Mon prince, sois le bienvenu. Merci beaucoup, maman. Le prince vous a apporté un cadeau. Qui? Dites-moi, vous qui voyez. Qu'est-ce que c'est? Un panier d'ignames. Hein? Oui, maman, c'est pour vous. Oh, les nanas qu'on nous voit. Hein? Attendez, oh. Mon prince. Maman. Tu m'as apporté un panier d'ignames. Oui, maman. Hey! Hein? Oh, bien, Nujou. Maman. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Hey! Mon prince. Maman. Que le Dieu te bénisse. Issé. Que le Dieu soit avec toi. Issé. Hey! Merci beaucoup, maman. D'allô, moi. Obianjo. Mon prince. S'il te plaît, je suis ici pour te voir. Puis-je échanger avec toi en privé? Moi? Oui. Mon prince, a-t-elle fait quelque chose de mal? Non, non. Elle n'a rien fait de mal. Alors, où veux-tu l'emmener et pourquoi? Tu oses me poser des questions? Enfin. Désolé, mon prince. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. J'arrive. Maman. Naï. Où est-ce qu'il l'emmène? Pourquoi une telle intimidation? Pourquoi penserait-il qu'il a le droit d'emmener ma femme comme ça? Est-ce parce qu'il est le prince? Est-ce là lui confère le pouvoir de faire tout ce que bon lui semble? Hein? Hé, attends. Regarde qui je vois là. Ah! Ah, femme! Qu'est-ce qu'il y a? Il fait. Hein? Moi, j'y vais. Ma chérie, tiens-moi, je passerai à la maison. Femme. Ton numéro n'est pas bon. Dis-moi, y a-t-il un problème? Je vais bien. C'est quoi ton problème? Rien du tout. Femme. Pourquoi? Qu'est-ce que je te fais de mal? Pourquoi me traites-tu de la sorte? Ne suis-je pas belle? Femme, tu sais que je t'aime et je m'intéresse beaucoup à toi. Et mon cœur se sent mal en te voyant dans tels états. Ton visage n'a pas du tout l'air d'être heureux. Quel est le problème? Dis-le-moi. Arrête cette bêtise. Écoute, je ne suis pas d'humeur à écouter tes bêtises. Dégage de mon chemin, va-t'en.
femme. Ma femme. N'importe quoi. Ne suis-je pas belle? Mais... Je suis désolé de la façon dont j'ai agi dans votre maison. J'étais très en colère. S'il te plaît, pardonne-moi. Mon prince, pourquoi suis-je ici? Je sais que cela peut ne pas te sonner bien. Mais au bien le Dieu. Je t'ai vu très spécial. Tu es belle. Tu es confiante. Et tu es très intelligente. Et surtout, tu as un bon cœur. Toutes ces qualités en toi sont très rares à trouver chez la plupart des femmes. Et ces mêmes qualités sont celles que je veux voir à mon épouse, la future reine de ce royaume. Obiano Jo, s'il te plaît, épouse-moi. Obiano Jo, mon prince. Mon prince, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que tout va bien. Je pensais que ce que je lui avais dit l'avait peut-être choqué. Penses-tu que je dois la suivre? Non, mon prince. Je pense que vous devez lui accorder un peu de temps. Juste un peu de temps. Ok, merci. On y va. D'accord. Obiano Jo, qu'est-ce qu'il y a? Ojo-moi, c'est toi. Ojo-moi. Obiano Jo. La femme. Où est Obiano Jo? Elle est à l'intérieur. C'est quoi le problème? Maman, je n'en sais rien. Elle est entrée en courant sans pour autant me dire un mot. Maman, elle m'a aussi passé en cours de route. Et je l'ai appelée pour savoir c'est quoi le problème. Et elle ne s'est pas arrêtée. Ça devient sérieux. Qu'est-ce qui se serait passé entre le prince et elle? Maman, je n'en sais rien. Maman, regarde. Mais si le prince lui a offensé, je me moquerai qu'il soit prince ou pas. Je vais les combattre. Non, calme-toi. Je suis sérieux. S'il te plaît, calme-toi. Maman, je ne vais pas me calmer. Si le prince lui a offensé, il y aura un problème. Maman, je vais lui rendre son compte. Non, s'il te plaît, apaise-toi. Nous serons toujours le problème. Calme-toi, hein. Va juste à la maison. Je te dirai quoi? Oh non? Non, maman. Sortira, je vais parler. Maman, je n'irai nulle part. Hein? Je l'attendrai ici qu'elle sorte pour me dire ce qui s'est passé. Bat-la, Kimia. Je le connais en tant qu'un garçon capricieux, mais... désobéir à nos ordres n'est plus une question de caprice. Cela s'appelle l'insanité. Et je vais le guérir de cela. Mon roi, je ne sais pas ce qui lui fait croire qu'il pourra épouser la fille des Orwes. Peut-être qu'il avait bu beaucoup de vin de palme quand il était en train de dire ça. Soit il a bu beaucoup de vin de palme ou pas, il est de son devoir de m'obéir. Je suis son père. Obinaya! Obinaya!
Viens ici. D'où viens-tu? Suis-je maintenant prisonnier dans la maison de mon... Voudrais-tu la fermer et répondre à cette question tout de suite? Je suis allé visiter une amie. Oh, tu es allé visiter une amie. Alors, qui est cette amie que tu es allé visiter? Je ne peux pas vous le dire, père. Tu nous le diras! Je suis ton père, je suis le Igwe de ce royaume. Et je suis ici en t'ordonnant de nous dire d'où viens-tu en ce moment. Père, faut pas même perdre votre énergie parce que je ne vous dirai rien. Je ne suis plus un enfant. Je ferai ce qui me plaît et j'irai là où je veux aller. Et c'est mon dernier mot. As-tu vu comment il m'a parlé? Sans aucun respect, avec des insultes, as-tu vu cela? Mon roi, ne t'en fais pas. Je crois qu'il a perdu ce sens. Mais nous devons lui rappeler qu'un enfant n'est pas plus grand que ses parents. Mais quoi que tu dises, je vais aller jusqu'à la source de ceci. Je te promets. Absolument. Majesté. Ne me salue pas. Lequel d'entre vous était sorti avec le prince? Lequel d'entre vous? Majesté, c'est Chuka. Chuka. Chuka dead. Cherche-le-moi. Cherche-moi, Chuka. 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 Chuka, tu étais celui qui était sorcier avec le prince. Oui, votre majesté. Où êtes-vous parti? Mon roi, nous étions partis dans la maison des Ori. Vous êtes allé chez Ori? Pour faire quoi? Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Ori? Il voulait voir Obianuju. Oh, tu as conduit mon fils, le prince, en dehors du palais pour aller voir Obianuju. Sans mon consentement? Votre Majesté, il m'avait ordonné. Très bien, il t'a ordonné d'y aller avec lui. Et tu as obéi. À cause de ça, je vais te punir. Je vais m'assurer que tu sois corrigé, ok? Votre Majesté, je suis désolé. Oui, mon roi, je suis désolé. Ça ne doit plus se répéter. Votre Majesté, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Votre Majesté, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Fais-le sortir de ce palais. Je ne veux plus jamais voir cette chose dans ce palais. Jamais. Amène-le. Votre Majesté, je suis désolé. Votre Majesté, pardonnez-moi. De plus de ce fouet et j'aurai ta tête. J'aurai ta tête et celle de toute ta famille si tu refuses d'obéir à mes ordres complètement. Père, je lui ai demandé de m'accompagner, il ne pouvait pas désobéir à mes ordres. Pourquoi le punir à ma place? Ça ne me regarde en rien, fiston. Affamé, Sene, Oulali. Maman, je n'irai nulle part. S'il te plaît, tu dois aller te reposer à la maison et revenir après. Admettons qu'elle ne sortait pas jusqu'à la nuit. Non, maman, je vais l'attendre. Hé, Obianuju, est-ce que ça va?
Obiano Joe, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne m'a rien fait. Mais pourquoi tu dis ça? Tu m'as passé en route quand nous sommes vus. Tu ne m'as même pas adressé la parole. Quand tu es arrivé, maman t'a appelé, tu n'as pas répondu, mais tu es entré immédiatement. Et tu dis qu'il ne t'a rien fait? Ok, très bien. Il ne m'a rien fait, mais il m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il veut m'épouser. Hein? Je sais que ce n'est pas vrai, je pense que tu plaisantes. Je plaisante? Comment je peux plaisanter sur une telle question? Et je ne blaguerai pas non plus dessus si j'étais toi. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que j'ai les qualités de la femme qu'il cherche à épouser. Et aussi les qualités de la future reine de cette terre. Mais pourquoi le prince trouverait ses intérêts dans ma femme? Ok, mon amour. Qu'est-ce que tu lui as répondu quand il t'a dit ça? Rien du tout. Rien du tout? J'ai juste fui. Attends, et donc tu as pris fuite alors qu'il a dit qu'il voulait t'épouser? Non mais tu attendais à ce que je dise quoi? Qu'est-ce que... Je m'attendais à ce que tu dises. Tu lui aurais dit noir sur blanc que tu n'as aucun intérêt du tout. Pourquoi fuir comme ça? Cela veut dire que tu as un intérêt. Maman, je n'aime pas comment il me parle. De quoi est-ce que tu parles? Est-ce que j'ai cherché le prince? Tu n'étais pas là quand il est venu me prendre ou me faire sortir? Tu m'as vraiment déçu. Il a presque tout dit. Toi, tu n'as rien dit. Tu as juste pris fuite. Et c'est comme ça que je prends fuite aussi. Maman, est-ce que tu l'as entendu? Maman, pourquoi il est fâché, non? Maman, pourquoi il est fâché? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne comprends pas, oh. Je ne comprends pas la femme. Il n'a qu'à partir comme il veut. Il n'a qu'à rester fâché. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien fait de mal. Je me fiche qu'il soit fâché, maman. Je m'en fous. Ok, c'est bon. Hein? Il est énervé. Permets-lui de se calmer. Hein? Ah, maman, je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire. Tu étais là quand le prince était venu me chercher. Est-ce que c'était moi qui étais allée le chercher? Laissons-le être en colère. Maman, qu'il reste en colère. C'est de cette manière que toi et papa avions décidé de gérer cette affaire? Pourquoi punir un jeune homme parce qu'il a obéi à mes ordres? Est-ce correct comme jugement? Je vois que tu es en train de pousser des ailes. Défier mes ordres dans ce palais. Tu vois les ailes que tu es en train de pousser? Je vais te les couper. Père, tue-moi si tu veux, père. Mais cela ne me fera pas changer d'avis. Je vais me marier à Obiano Joe et il n'y a rien que toi et ma mère pouvaient faire de ça. Je te renierai. Vas-y. Fais ce que tu veux. Cela ne m'empêchera pas d'aimer pour qui mon cœur bat vraiment. Madame, j'espère que tu as entendu ce qui sort de la sale bouche de ton fils. Mon roi. S'il te plaît, pardon, considérons un peu ses sentiments. Ses sentiments, mon roi. J'aimerais discuter avec toi. De quoi s'agit-il? J'ai pensé à propos de ce que tu voulais pour le prince. Je sais que tu aimes vraiment mon bonheur. Et je viens de réaliser que épouser le prince sera bien pour moi. Alors, je serai prête à tout faire pour que le prince ne pousse que moi. Tu es vraiment ma fille. Donne-moi 5-5. Bah. Merci beaucoup. Je savais que l'envoûtement là
l'envoûtement de ce garçon stupide sur toi, tu en serais délivré un jour. Non. Hein? Obura n'est pas un mauvais comme tu le prétends. C'est une bonne personne. Un homme bon. Un mec qui n'a pas d'argent. Il est pauvre. Personne ne le regarde. Personne ne s'intéresse à lui. En tout cas, laissons ce garçon pauvre en dehors de l'équation. Maintenant, toi, je sais que le roi et la reine veulent que tu sois la future reine de notre prince. Quand tu deviendras Lolo, la reine de ce royaume, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde t'appellera Sa Majesté, y compris moi, Sa Majesté. Sa Majesté, ça ne te plaît pas? Bien sûr, Nam. Merci beaucoup. Nam. Hein? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant que le prince aime Obianuju? Plus cette fille, Obianuju. Obianuju ne compte même pas dans cette affaire. Je te dis. Hein? Moi, je t'ai donné ma parole. Nam, es-tu sûr? Obianuju ne compte même pas. C'est toi, la future reine. Tu es la future reine de ce royaume. C'est moi, ton père, qui l'ai dit. Nam, es-tu sûr? Ah, viens, donne-moi ton doigt. C'est moi qui te l'ai dit. Ah, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. C'est réglé, n'est-ce pas? Ça va, n'est-ce pas? Ça va. Je vous salue, mon prince. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Je vais bien, mon prince. Bien. Je viens de chez vous et maman dit que tu es allé au marché. Oui, mon prince. Ça, c'est bien. Avec ton joli nez pointu. Tu es vraiment un joli nez. Qu'est-ce qu'il y a? N'étais-je pas interdit de ne plus m'approcher? Afam, si tu vois ce que je vais te montrer maintenant, je te jure, tu ne vas plus refuser, même pas un tout petit qu'est-ce peu. Qu'est-ce qu'il y a? Obianuju, ta chérie, a une affaire avec un autre homme. Hein? Oui. Quel Afam, viens vite voir, non? Dépêche-toi. Es-tu sûr de ce que tu dis? Oui, je suis sûr. Si ce n'est pas ça, c'est que je te ferai. Hein? Allons-y. Obianuju. Ah, laisse-moi. Allons-y. Femme, dépêche-toi. Oh, vous êtes marrant. Je suis en fait ravie parce que je te fais rire. C'est un honneur. Vous me faites rire. Vas-y, regarde-le. Regarde-le très bien. Je crois qu'ils sont vraiment déjà amoureux. Vas-tu la fermer? Ferme-la. Oh bien le Dieu. Mon prince. Concernant ce que nous avons discuté l'autre fois, le jour où tu t'es enfui, et j'espère que tu ne vas plus fuir aujourd'hui. Ah. Que dis-tu de ça? Mon prince, concernant ce dont on a parlé la dernière fois, je tiens à être honnête avec vous. Ok. J'ai un homme dans ma vie. J'ai quelqu'un que j'aime. Et donc, à cause de ça, je ne peux pas me marier avec vous. Je ne peux pas être votre épouse. Je suis désolée. Tu es une femme très confiante. Je ne connais pas aucune femme dans ce royaume qui rejettera la proposition du mariage d'un prince juste à cause d'un citoyen lambda. Non. Tu es en effet très courageuse. Merci. C'est la raison principale pour laquelle je ne te laisserai pas partir. Mon prince, je suis désolée, mais je dois rentrer. Ma mère m'attend.
Pas de problème, je vais t'accompagner à la maison. Oh non, je vous en prie, je peux rentrer toute seule oh, à la maison. Bien, Dieu, j'insiste. Reste devant nous. Reviens, non? Veux-tu aller battre le prince? Hein? Bien, Dieu. Écoute, ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Hein? Vas-tu la fermer? Ferme-la. Tu pars? Attends, attends, non? Ma madame. Mon prince. S'il te plaît, je vais maintenant te laisser ici. Ok. Merci beaucoup, mon prince. Ça va, ça va. S'il te plaît, mes salutations à maman. Je le ferai, si promis. Merci. Ça, c'est toi. Me revoilà. Non, bienvenue. Merci, maman. J'ai entendu le voix de gens en train de parler. Tu parlais avec qui? Maman, j'étais en train de parler au prince. Oh, oh. Il était ici bien avant. Oh. Ah, il me l'a dit, maman. Né. Maman, il te passe ses salutations. C'est bien. Ma fille. Maman. Je pense que le prince est désespéré de t'avoir comme sa femme. Ah oui, oh. Alors, que feras-tu maintenant? Maman. Maman, je suis confuse, oh. Toute cette situation me rend confuse. J'aime Afam. Je l'aime tellement et si fort que... Je voudrais être son épouse. Mais il y a de ces moments où j'ai peur. J'ai le pressentiment qu'il pourrait me décevoir. Mais en parlant du prince... Maman, blague à part. Qui ne sauterait pas sur une telle opportunité? Maman, sois sincère. Je te le dis, chaque vie de ce village l'accepterait. Oui, c'est vrai. Maman, je suis confuse. Je suis très confuse, j'y réfléchis encore. Ma fille, je te comprends. Suis juste ton cœur. Je les aime tous deux. Peu importe celui que tu choisiras, je vous donnerai ma bénédiction. Maman, je voulais dire un truc, mais je ne veux pas dire. Maman, j'allais oui, te dire, est-ce que tu es sûre? Mais dis-maman, est-ce qu'il y a une nourriture dans la cuisine? Il y en a dans la cuisine. Regarde dans les casseroles. Ok, maman, j'ai apporté des histoires, mais s'il te plaît, attends-moi un peu, que j'aille manger d'abord. Ok, c'est bien. Maman, tu m'as... Oui, j'ai envoyé te chercher. Prends place. Maman, j'ai décidé de rester debout. Tout ce que tu as à dire, dis-le le plus rapidement possible. Je ne peux pas te parler aussi longtemps que tu es debout. Alors mets tes honneurs à côté et assieds-toi. Je n'apprécie pas tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes tes parents. Tu aurais dû nous écouter. Tu dois nous écouter. Maman, ne vous ai-je pas écouté, toi et mon père, toute ma vie? Et t'avons-nous induit en erreur? Non. Alors, pourquoi tu ne veux plus nous écouter cette fois-ci? Maman, c'est une question de cœur. Je n'écouterai que mon cœur. Ton cœur? J'aime ça. C'est bien d'entendre et d'écouter son cœur. Mais deux fois, ton cœur peut te tromper. Et pour maintenant, mon fils, ton cœur t'induit en erreur. Et comment tu sais ça, maman? Je suis ta mère, fils. Ce que moi je peux voir en étant assise, tu ne sauras le voir même si tu es levé sur un long arbre. Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, maman. Que
Qu'est-ce que tu vois même en elle? Dis-moi. Si seulement tu peux voir au-delà de sa classe sociale, tu comprendrais que cette femme, cette jeune fille dont je parle, n'est pas juste une magnifique épouse pour moi, mais une bénédiction pour cette communauté comme sa future. Fils, tu es en train de faire une grande erreur. La royauté coule dans le sang. Obiano Diou et sa mère sont parmi les plus pauvres de notre terre. Trouve une autre femme. Trouve-toi une femme d'une famille noble et respectable. Elle n'a pas le sang de noble en elle. Non, maman. Bien, son statut m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est le vrai amour. C'est ce que Obiano Diou et moi partageons. Je ne vais pas, je répète, je ne vais pas la traiter comme un bon à rien. Obinaya, Obinaya. Il s'entête toujours. Oui. Il a totalement refusé d'écouter nos conseils. Ça va, ma reine. Ne t'inquiète pas. J'ai un plan. Afam. Afam. Ah, t'es là. Afam, bonjour Afam. Garde-la pour toi. Je ne veux pas de ta salutation. Garde-la, s'il te plaît, je t'en prie. Afam, pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Oh, je ne devrais pas être en colère. Je devais être heureux, c'est ça? Je ne comprends rien. Que se passe-t-il? Tu ne sais pas ce qui se passe. Où est le prince? Le prince? Je ne sais pas de quoi tu parles. Maintenant, je peux comprendre que tu es une menteuse. Ou bien, j'ai toujours cru que tu es honnête. Je ne savais pas que tu étais mauvaise à ce point. Non, je ne te comprends pas. Est-ce que je t'ai déjà menti une fois? Il y a 2 jours, je t'ai vu avec le prince, en train de jouer au beaucoup. Et tu es là à me raconter des sottises. Ah, femme. C'était ce même jour où je lui ai dit que je ne pouvais pas l'épouser parce que je suis amoureuse d'une autre personne. Ah. Je suis amoureuse d'une autre personne. Tu m'as vraiment déçue. En fait, tu m'as profondément déçue. Je ne savais pas qu'un jour tu allais juste me rejeter. Te rejeter? Oh oui. Afam, si je t'avais rejeté, pourquoi je suis ici? Peut-être que tu vérifies si je suis mort. Ah ça, sans effet. Ne sors pas de telles paroles de ta bouche. Oh. Obiano Diou. Bienvenue. Afam. Qu'est-ce que cette chose fait ici? C'est vraiment ce que je pense? Peut-être. Oh. Vraiment. Les dieux m'en sont témoins. Ceci, moi je ne te l'ai pas fait. Et je ne mérite pas un tel traitement venant de toi. Et tu n'auras jamais mon pardon pour ça. Désolé, oh. Tu sais que c'est toi qui as commencé. Alors pourquoi tu es fâché? Hein? Ben, pourquoi tu es sorti? Je t'ai demandé de rester là. Il fait très chaud à l'intérieur, alors je suis sortie pour prendre un peu de l'air. Ça fait quoi? Allez, rentre là. Afam. Allez, entre là. Non. Maman, je sais que je ne t'ai rien dit concernant mon désir pour ta fille. C'est la raison pour laquelle je suis ici en ce moment, pour te dévoiler mes intentions. Non, je connais déjà tout. Merci. Je sais que tu es tombé amoureux de ma fille et tu veux faire d'elle ta femme. Je suis contente. Tu as tout dit, maman. Tu sais, ta fille a attiré mon cœur d'une manière très merveilleuse. Eh oh.
Honnêtement, je ne pense pas que je peux avoir une autre femme à mes côtés à part elle. C'est qui ça? Oh bien Dieu. Oh Dieu, moi. Oh bien Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Oh Dieu. Mais pourquoi pleures-tu? Hey. Ah, femme. Hein? Hey. Ah, famille Funa. Hey. Mais qui est-ce qui l'a conduit à se comporter ainsi? Hey. Les hommes d'aujourd'hui. Pourquoi ils ne sont pas dignes de confiance? Mon cœur est meurtri. Mon cœur saigne. Maman, il m'a tellement déçu. Calme-toi, hein. Je lui ai donné mon cœur. Et il m'a trompé avec cette... Calme-toi, calme-toi. Ça va, d'accord. Je ne mérite pas un tel traitement de lui, maman. C'est vrai. Pas. C'est pas juste. J'ai le cœur brisé. Mais ok. C'est lui qui ne te mérite pas. D'accord. Tu sais, certains hommes ne savent pas quand ils ont des choses inestimables. Et en outre, je sais ce que cela signifie d'aimer celui pour qui son cœur bat. Je vais te traiter comme la reine que tu es. S'il te plaît, permets-moi de te prouver mon amour. Je vais t'amener au palais pour te présenter à la reine et au roi. S'il te plaît. Mon prince. Oui, mon amour. Es-tu sûr qu'ils vont m'accepter? J'ai un mauvais pressentiment à ce propos. Tu n'as rien à craindre. Ok? Je te promets, il ne se passera rien de mal. Et si alors ils ne m'acceptaient pas? Je ne suis pas de lignée royale et la royauté n'accepte que la royauté. Je suis d'une famille royale. Et je t'accepte. Et comme je t'ai accepté, ils n'ont pas le choix de ne pas t'accepter. Allons-y. Bonjour au roi et à la reine de notre terre. Que les dieux te bénissent, ma fille. Bienvenue. Prends place. Merci, merci, votre majesté. Papa? Maman? Je ne pense pas avoir besoin de faire une présentation formelle. Voici Obian Dieu. Je crois que vous connaissez qui elle est. Quoi? ça c'est rigolo. Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans ce royaume qui ne connaît pas Obiano Dieu, la responsable des jeunes danseuses, n'est-ce pas? Exactement, votre majesté. Oui. Comme je l'ai dit plus tôt, je vous la présente comme ma future femme. Oh! Ça, c'est formidable. C'est très bien de ta part de l'avoir fait. Je suis contente que tu l'as finalement amenée jusque chez nous. Une fois de plus, tu es encore la bienvenue, ma fille. Merci, votre majesté. Bien, avant votre arrivée, nous attendions en fait cet instant. Oui. Et je suis sûr qu'ils seront là dans peu de temps. Oh, ils sont déjà là. Les voilà. Oh non. Igwe, bienvenue. Je vous salue. Prenez place, vous êtes venue vraiment à l'heure. Merci, votre majesté. Vous êtes vraiment venue à temps. Obiano Dieu, s'il te plaît, excuse-nous. Tu as dit? Maman, puis-je savoir pourquoi Obiano Dieu doit nous excuser? Elle ne peut pas rester ici pendant que la royauté siège. Je crois qu'elle n'est pas habituée à ce genre d'assises. As-tu déjà pris part à une réunion royale avant? Ma mère,
Obiane Joe est ma future épouse. Pas encore. Et je demande qu'elle reste ici. Si vous voulez qu'elle nous excuse, alors je quitte et je laisse cet endroit pour vous. Quitter? Non, ce n'est pas... Non. Tu ne vas pas quand même bouder ton père, n'est-ce pas? Obiane Joe, je suis désolée pour ça. Mets-toi confortablement. Merci, Votre Majesté. Bien. Si c'est comme ça que cela va se passer, j'aimerais poser quelques questions. Obiane Joe, fiston, désolé. Y a-t-il des rois dans votre lignée? Non, Votre Majesté. La royauté. Elle n'a pas ce sang royal. Tu vois ça? Ok. Et toi, Nkem, avez-vous des rois dans votre lignée? Oui, Votre Majesté. Mon arrière-grand-père était un roi. Vraiment? Mm. Laisse-moi te demander, Nkem. Que penses-tu d'une femme qui n'est pas du sang royal et qui est d'une famille pauvre de devenir la reine de ce royaume? Ça sera une honte, Votre Majesté. Toi, Obiane Joe, laisse-moi voir ton opinion. Père, qu'est-ce que cela veut dire? Ton fils, commence encore. Apaise-toi. Bien. Nous n'avons pas de problème ou quoi que ce soit. J'essaie de voir... S'il vous plaît, veuillez m'excuser. Obiane Joe. Obiane Joe. Vas-tu quitter ton père de... Obiane Joe, attends. S'il te plaît, attends. S'il te plaît, ne t'en va pas. Ne t'en va pas. Mon prince, en venant, j'avais dit que j'avais un mauvais pressentiment dessus. Et t'as dit qu'on devrait y aller. Regarde maintenant ce qui s'est passé. Obiane Joe, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mon prince... Il fallait d'abord demander à tes parents avant de confesser ton amour pour moi devant eux. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Je ne suis pas contente. Ça ne me réjouit pas ce qui s'est passé. Désolé. Je suis vraiment désolé. S'il te plaît. J'ai une question à te poser. Que faisait Nkem là-bas? Mais qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Il... Que faisait-elle là-bas? Ils veulent que je l'épouse. Oh. Je vois. Maintenant, j'ai compris. C'est pour ça que ton père Igwe est en train de me poser toutes ces questions. Il essaie de me faire comprendre que je ne suis pas de son royal et que Ikem est un meilleur choix pour toi que moi. Ah, Obiane Joe. Obiane Joe, ils ne sont pas ceux qui vont t'épouser. C'est moi qui vais t'épouser, ok? Et je t'ai choisi. Tu es celle que je veux. Je suis désolée. Faut que je parte maintenant. Obiane Joe, s'il te plaît, écoute-moi. C'est Jones. Faut pas te soucier d'eux, ok? Je t'aime. Et tu m'aimes aussi. Et c'est ce qui compte vraiment ce moment. S'il te plaît. Désolée, je dois y aller maintenant. Obiane Joe. Je veux dire ceci et je ne veux pas le répéter. Tout ce que vous serez en train de planifier ne marchera pas. S'il vous plaît, dites-lui que je ne l'épouserai jamais. Nkem, écoute-moi. Ne perds pas ton temps parce que je ne t'épouserai jamais. Et c'est la fin. No. Ah, Igwe. Tu me feras quelque chose.
Maman, je suis là. Nain, bienvenue. J'espère que tout s'est bien passé. Tu ne vas pas y croire, maman. Je n'ai jamais autant été humiliée dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Hey. Tu ne vas pas y croire. J'ai été traitée comme une moins que rien dans ce palais. Oh, mon enfant. Hey. Maman, est-ce que tu connais Inkem? La fille de Onon. Mm-hmm. Oui. Le prince m'a dit que ses parents l'ont obligé de marier cette fille. Hé hé. Oh. C'est ça la ruine des pauvres. Les riches sont puissants, voulant toujours se marier entre eux. Mais ne te laisse pas faire, ma fille. Je suis sûre que le prince t'aime énormément. Et l'amour triomphe tout. Excusez. Qui est là? Je salue toute la maison. C'est qui ça? Maman, de Onogo. Onogo. Mmh. Prenez place. Mmh, prenez t'inquiète, place. Je vais aller directement au point. Je suis là pour deux raisons. La première, c'est un conseil. Un conseil pour toi, Obianoju. Obianoju, écoute mon conseil. Laisse le prince tranquille. Et focalise sur l'un de ces pauvres garçons du village qui sont de ta classe. Hein? La deuxième, le Igwe a dit que je te prévienne en son nom d'oublier son fils, le prince, pour ton bien. Sinon, un homme averti en vaut deux. Toi, femme, préviens ta fille. Préviens ta fille, hein? Oh, d'accord, j'ai transmis mon message. Sois en paix. Quelle arrogance! Je ne blâme personne. C'est la pauvreté que je blâme. Mais mon enfant, ne te dérange pas. Tu es si jolie. Dieu t'a béni. Et personne ne jouira de toi. Non, non. Je suis très sûre. Et que Dieu te donnera un homme qui te convient. Et rien ne les stoppera. Et du coup. Fight true love. It's a very strong force. To truly love is not by force. No matter what the people say or do, Rabuvakadiri, let them be, let love be. Bonjour à tous. Je suis désolée d'être venue en retard. Voici ma pénalité. J'espère que tout le monde a vu. Elle a payé pour être venue en retard. S'il vous plaît, levons-nous et on commence. S'il vous plaît, levons-nous qu'on commence. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Levons-nous pour qu'on commence. Je ne suis pas informée. Est-ce que tu n'as pas entendu que tu n'es plus notre chef? Pour quelle raison? Qu'ai-je fait de mal? Igwe a dit que tu n'es plus notre chef Ten, alors il a décidé de trouver une autre personne. Qu'ai-je fait de mal? Et pourquoi vous ne me l'aviez pas dit? Après tous les sacrifices que j'ai consentis pour ce groupe, que se passe-t-il ici? Désolée d'être venue en retard, s'il vous plaît. Levez-vous, on va commencer. Levez-vous vite. Alors, on va commencer. La musique, dépêchez-vous. Prenez position, dépêchez-vous vite. Obiora, allez-y.
attendez. Obian Uju, va derrière. Tu m'as entendu. Va derrière. S'il te plaît, tu peux aller derrière. Nous voulons danser. Qu'est-ce que c'est? Elle aussi, c'est votre nouvelle chef. Obian Uju, va seulement derrière, non? Laisse-nous commencer, on est déjà en retard. Ah. S'il te plaît, on n'a pas assez de temps. Non, non. Vraiment derrière. Encore. Bien. Désormais, c'est ça, ta place. Allez-y. Obian Uju, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Ce que tu es en train de faire là, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. S'il vous plaît, allons-y. Obian Uju. Obian Uju. Obian Uju. Ne blague pas avec ma patience. Hey. Obian Uju, quitte ici. Obian Uju, pars, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Les instructions se donnent. Alors va-t'en. Mais n'a rien fait. Et mon ami, la ferme. La ferme. Je suis le leader de ce groupe. Vous devez toutes obéir sur ce que je dis. Ah oui. Obian Uju, quitte ici. Hey. Très rapidement, ne perds pas mon temps. Dégage. Hey, dépêchez-vous, allez-y, commençons. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, non? Tu m'évites tous ces derniers jours. Qu'est-ce qui se passe? T'ai-je offensé? Obiora, je ne suis pas en train de t'éviter. Je suis juste très occupée. Mon père m'a demandé de faire pour lui beaucoup de choses ces derniers temps. Ton père? Alors, c'est quoi cette rumeur qui circule partout? Que toi et le prince, vous voulez vous marier? Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas la vérité. Tu sais que dans ces villages, on ne fait que de commérages.
En fait, c'est vrai que le prince me dérange pour l'épouser. Mais je suis pas intéressée. Et je lui ai dit que j'ai un autre homme. Si cela est vrai, pourquoi tous les villages disent que ton père et les Igwe sont en train de forcer le prince pour t'épouser? Qui t'a dit ça? Je viens de te dire que ce n'est pas vrai. Tu veux maintenant croire à ce que tu entends au lieu de ce que je dis? Oh non, ce n'est pas ça. Mais tu sais, dans chaque rumeur, il y a une part de vérité. S'il te plaît, ne me mens pas. Dis-moi exactement ce qui se passe pour ne pas briser mon cœur. Obiora, je constate que tu ne me crois pas et tu me traites d'une menteuse. Non. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, hein, tu ne m'intéresses plus. Quoi? Tu peux aller trouver une fille qui va te dire la vérité quand tu es devenue une menteuse. Mon amour, regarde. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce n'est pas ça. Lâche-moi, ne touche pas. Kem, regarde. Ne me fais pas ça. Obiora, n'es-tu pas un homme? Merde. Hein? Et arrête de te comporter ainsi. Tu sais combien je l'aime. D'après ce qu'elle vient de faire ici, elle ne faisait que chercher une excuse. Et voilà. Ok. Le prince a décidé de prendre nos femmes. De nous voler nos femmes. Il a pris la mienne. Et maintenant, il prend la tienne. Qu'allons-nous faire? La manière dont je le vois, c'est comme s'il risque de prendre maintenant les femmes mariées. Je suis foutu. Écoute, nous sommes foutus. Les dieux vont nous donner nos femmes. Laisse-la. Je connais les femmes. Oublie les dieux. Elles sont très méchantes. Les dieux dorment. Ne parle pas des dieux. À cause d'une femme, tu dis n'importe quoi. Viens, viens avant que tu ne dormes. Viens, tu veux t'endormir à cause d'une femme. Viens. Salut. Salut. Mon prince. Que les dieux soient avec vous. Salut mon prince. Attends. S'il te plaît, viens. Es-tu encore en colère contre moi? Mon prince, je sais que je suis pauvre. Mais crois-moi, j'ai toujours vécu en paix ma vie jusqu'à ce que tu apparaisses et que tu me parles de mariage. Est-ce que tu vois la tournure que ça a pris aujourd'hui? Tous mes amis se moquent de moi, m'humilient, m'embarrassent. Je ne comprends plus ce qui se passe. Calme-toi, laisse-moi te comprendre. Qu'ai-je fait cette fois-ci? Je reviens de notre groupe de danse. Ok. Et on vient de m'informer que le Igwe, ton papa, il m'a fait rétrograder pour être remplacé par Ikem. Tu aurais dû voir comment elle m'a humiliée aujourd'hui. Elle me rabaissait. Va à l'arrière, tu ne danses pas bien, fais comme ci, fais comme ça. Elle n'a fait que me frustrer. Es-tu en train de me dire la vérité? Et quel bénéfice je gagnerais à te mentir? Mon prince, j'ai cru que te laisser entrer dans ma vie serait une bénédiction, mais non! Ça s'avère être une malédiction. Oh bien, Dieu. Ne parle pas comme ça. Tu brises mon cœur avec ces mots. Ne fais pas ça. Tu veux que je sois vraiment honnête avec toi? Moi, je parle comme je le ressens. Ça va. Tu peux rentrer, je te rejoins bientôt. Je peux imaginer à quel point elle a le cœur brisé en ce moment, sachant qu'elle est passée du statut de la responsable des danseuses au statut de simple danseuse ordinaire. En tout cas, j'ai la peine pour elle. Elle sera même frustrée et elle quittera le groupe. Père, pourquoi traumatises-tu la pauvre fille qui ne t'a rien fait afin de ravisser tes sujets? Maintenant, écoute-moi, toi, ce petit garçon idiot. Ceci n'est que le début de 16 ans nus jusqu'à ce que tu apprennes à respecter mes instructions et à m'obéir. Quand je dis tu devrais épouser une jeune dame en particulier, peut-être je devrais tuer cette fille stupide.
afin que tu retrouves tes sens. Tu ne feras rien de tel, père. Tu ne toucheras pas un cheveu sur la tête de cette fille. Prince, tu parles à Igor comme ça? Sa Majesté, ça, ça commence à coûter les yeux de la tête. Ça commence à me déranger. Fight true love. It's a very strong force to truly love. It's not by force. No matter what the people say. Y a-t-il quelqu'un? Ojo? Ojo? Qui est là? Ojo? Oh bien Ojo? Oh, j'ai cru que j'ai entendu le bruit. Ojo? Qui est là? Oh, maman. Oh, c'est moi. Non, bienvenue. Merci beaucoup. Dalo. Oh, Dalo. Est-ce qu'Odou est là? Oh, non, elle n'est pas encore là. Comment? Elle était censée être déjà à la maison. Oui. Peut-être qu'elle est allée quelque part. Ok, je vais partir, je reviendrai plus tard. Ok, c'est okay. Bien. Merci beaucoup, maman. À tantôt, hein. Dalo. S'il te plaît, oui. Mon fils, reviens. Va à l'intérieur. Prends-moi un gobelet d'eau tiède, hein. Oh, j'ai okay, vraiment soif. D'accord. Aïe! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Et où qu'est-ce que c'est? Cet égout, il m'a piqué très hey, fort. Désolé, j'arrive. Non, 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 c'est juste une légère blessure. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je suis innocente, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Ma mère est aveugle, elle pourra en mourir si je ne rentrais pas à la maison. Désormais, c'est ici ta demeure. J'espère que tu l'aimes. Je vous en supplie. Que va-t-il arriver à ma mère qui est aveugle et innocente? Laissez-moi aller chez moi. Je n'ai rien fait de mal, je suis innocente, je vous en prie. Mais cela n'est pas possible. On t'aime. Mais on doit obéir aux ordres, ok? Les dieux de nos terres. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il en train de m'arriver? Je ne mérite pas ce genre de traitement. Tu devrais d'abord penser à ça, avant de décider de combattre le roi. Ma maman va mourir. Tu viens de temps à autre voir le prince. Tu as oublié? Ma maman est aveugle. Allons-y. Qu'est-ce qui arrive à ma mère? Elle est aveugle. Je vous en supplie, je vous en supplie. Libérez-moi. Votre Majesté, c'est fait. Votre Majesté, on l'a très très bien liée. Très bien liée. C'est bien fait pour elle. Très bien. Très très bien. Laissez-moi maintenant voir où est-ce qu'il va la trouver pour aimer. Et leur petite expression là, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il ne saura même pas là où elle est liée. Il ne le saura jamais. Il va même penser qu'elle s'est enfuie par manque de patience. Ça, c'est vrai.
Igwe, je suis impatient de devenir ton beau. Ça arrive, Olo. Ça arrive bientôt. Mes salutations. Obinaya. Obinaya. Oh, calme-toi, laisse-le. Ça va. Laisse-le. Ça va. Laisse-le partir. Peut-être il a senti que elle a disparu. Je le pense aussi. Maintenant, écoutez, tout le monde. Toutes les bouches doivent être fermées. Il ne doit pas avoir une discussion pareille à propos de ce sujet avec personne. D'accord. Hein, encore une chose. Est-ce qu'on doit lui donner à manger? Pourquoi? Pourquoi lui donner? Pas de nourriture pour elle. Vous avez entendu ce que Sa Majesté a dit? Elle ne mangera rien. Même pas de la mango. Mangue. Hey. Mon enfant. Qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant, ma fille? Mon seul enfant vivant, le seul œil d'une veuve aveugle. Où est-elle? Oh bien nous jouons, ma belle. Oh bien nous jouons, Kimo. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Oh, c'est vraiment désolé que tu sois lié à cet arbre et moi je ne le suis pas. S'il te plaît, aide-moi. Sinon, ma mère aveugle va mourir. Elle va mourir de faim. Elle va mourir d'inquiétude. Pitié. Bien, je suis désolé. Mais ne t'attends tout de même pas que j'aie pitié de ta mère. J'en ai jamais eu une. Alors je ne sais à quoi ça ressemble. Avoir pitié d'une mère. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Je suis innocente. Je n'ai rien fait de mal pour subir tout ça. Pitié, et je ne sais même pas ce que je fais ici. Je ne comprends ouais. pas. C'est vrai que tu es innocente. Et c'est vrai que le prince t'aime beaucoup. Et ce n'est pas ta faute, je le comprends. Mais je ne peux juste pas aller outre le souhait de mon roi. Tu le peux si tu le veux. Je ne le ferai pas. Parce que tu n'es pas l'un de ses gardes. Je sais que je ne suis pas son garde, mais je suis son sujet. Ainsi, je ne peux pas aller à l'encontre de sa volonté. Je suis désolé, je ne peux pas. Oh, tu as l'air d'avoir faim. Ça te dirait? Oui. Dis oui. Oui. Je n'entends pas. Oui. Bien. Oh, tu ne peux pas. Ok, alors laisse-moi te... Très aimant. Prends. Mange. Où es-tu? Où es-tu? Pitié, viens m'aider, oh, s'il te plaît, viens m'aider, je t'en supplie, viens m'aider, allez, s'il te plaît. S'il vous plaît, oh, venez m'aider, s'il vous plaît, à l'aide, je vous en supplie, à l'aide. Qui a vu ma fille? Y a-t-il quelqu'un qui a vu ma fille? Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Qui a vu ma fille dans ce village? Ma jolie fille d'un bon cœur, les dieux de notre terre, ayez pitié de moi, ramenez-moi mon innocent d'enfant, ma bénigne Salibatou. Mon salut. Comment vous allez? S'il vous plaît,
Avez-vous vu ma fille? Non, on ne l'a pas vu. C'est fini, maman. Désolée, c'est fini. Désolée, ça va aller. On va crier. Désolée, maman. Les dieux de notre terre, aidez-moi. Oh, ma fille. Regarde cette pauvre dame, comment elle souffre. J'ai vraiment pitié d'elle. Mais comment c'est possible? Comment est-ce qu'elle peut se perdre comme ça? Sans que personne ne sache où elle se trouve. Hein? Très pitié de cette pauvre dame aveugle. Et comment on peut savoir si sa fille est encore en vie? Ah, mais qui peut tuer une fille innocente? Qui peut le faire? Non, hein? Arrête de dire ça. Tu parles comme si tu ignorais que le cœur des hommes est mauvais. J'ai appris que le roi Eonou n'aime pas cette fille parce que le prince veut la marier. Je le sais, oh, mais notre Igwe est un bon homme, avec un bon cœur. Ou tu veux me dire qu'il a une mainmise sur cette disparition? Je n'ai pas dit ça, oh. Mais faut aussi savoir que le vieux Onohu est désespéré. Il tient à ce que le prince se marie à sa fille à tout prix. Et tu sais que les gens désespérés peuvent poser des actes désespérés. Ça se passe comme ça. J'ai pitié de cette femme. Regarde la pauvre dame. Allons-y, allons-y. Il y a peut-être des gens ici qui vont nous entendre. Allons-y. Oui, Konon. Laissez-moi vous demander. Est-ce que c'est vrai que Obia Juru est portée disparue? Je suis surprise que tu poses cette question. Qui, dans ce village, ignore qu'elle a disparu depuis 2 jours? Oh! Aïe! Ah! Ça, c'est mauvais, oh! Ça, ce n'est pas intéressant. J'ai pitié de sa pauvre mère. Qui sait combien de temps elle survivra sans Obia Nujo? Hey! Oh! Pourquoi vous vous inquiétez à propos de la disparition de Obia Nujo? Dites-moi! Pourquoi? Hein? Probablement, il peut être avec un autre homme dans un autre village. Et pourquoi vous me dérangez ici? Dites-moi pourquoi. Vous me dérangez, je ne peux pas me reposer à cause de Obia Nujo. Ifi, tu boucles ta bouche. Tu dois être stupide pour ce que tu devrais avoir honte de toi-même pour vivre avec ta femme, sachant que c'est l'homme d'Obia Nujo. Jeune fille, si j'entends encore ta voix, sans même en connaître les détails, je vais te tuer. Qui es-tu? Regarde, ne me provoque pas. Regarde-moi celle qui parle. Quel est encore son nom? Si je t'entends encore parler de mon nom, je veux bien m'occuper de toi. Tu ne feras rien. Regardez-moi celle-là. Oh, toi aussi, hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi êtes-vous assis comme s'il y a quelqu'un qui est mort? S'il vous plaît, levez-vous un peu. Levez-vous. Ikem, nous ne sommes pas prêts. Dis-le-lui. Hein? N'as-tu pas appris que Obia Nujo a disparu? Cela ne te dérange pas. En quoi ça me concerne? Suis-je comme quelqu'un qui s'inquiète? Levez-vous, nous allons commencer. Ikem, comment tu peux être aussi sans cœur? Hein? Celle qui faisait partie de notre charité a disparu et ça ne te dit rien. Ikem, comment tu es si méchante? Ce n'est pas bien. Fais pas attention à elle. Elle est en colère parce que le prince a choisi Obia. C'est quoi ce que j'entends? Tu ne peux pas me dire ça. Tu m'as entendu? Écoute-moi. La prochaine fois que tu me diras encore ça, je veux te gifler. Oui, elle ne fera rien. Elle va faire ça. Attendez. Il semble que le prince n'a pas été à la maison toute la journée. Quelqu'un l'a vu? Mon roi, je crois qu'il est en train de marcher dans tous les villages pour chercher son amour d'eau, Biajuru. Mon roi, il me fait pitié, oh, il me fait pitié. Non, il n'est pas celui pour qui on doit avoir pitié. Celui pour qui on doit avoir pitié est cette fille stupide. Car où qu'elle soit maintenant, il ne la trouvera jamais. 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 Oh. Il ne peut jamais penser à l'endroit où nous l'avons mise. Hein? L'endroit où nous l'avons mise, jamais. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. J'ai entendu tout ce que vous tous vous avez dit. Où est-ce que vous l'avez caché? Où est-ce que nous avons caché qui? Tu sais de quoi je parle, père? Où est-ce que vous avez caché Obia Nujo? Je veux savoir où vous la gardez en ce moment.
Écoute, nous sommes en train de chercher quelques gardes pour aller la chercher et voir là où elle se... Pensez-vous que je m'amuse? J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Où est-ce que vous avez gardé Obinna Joe? Répondez-moi. Obinna, qu'est-ce qui te prend? Maman, rien ne m'a pris. Je vais juste savoir où est-ce que vous avez gardé Obinna Joe. Tout de suite. Calme-toi. Je te dirai où est-ce qu'elle est. Dis-moi! Mon prince, elle est morte. Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon fils, c'est vrai. Je suis désolé. J'ai envoyé les gardes de me la chercher. En route pour le palais, elle a essayé de s'échapper. En cognant sa tête à une pierre, elle est décédée. Je ne savais pas quoi faire. Donc je dois donner instruction afin que son corps soit jeté dans la forêt maléfique. Je suis désolé. Je ne te crois pas, père. Si tu affirmes qu'elle est morte, je veux voir son cadavre. Montre-moi où se trouve son cadavre en ce moment. Je veux voir son corps ou je veux la voir vivante. D'accord. Calme-toi, fiston. Calme-toi. Je vais appeler les gardes d'aller chercher son cadavre afin que tu vois ça. Ça va. Tu dois faire ça avant la nuit tombée. Ça commence à aller très loin. Qu'allons-nous faire maintenant? Mon roi, nous ne devrions pas ignorer le fait qu'il pouvait regagner la maison à n'importe quel moment. Qu'allons-nous faire maintenant? Non, 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 calme-toi. Allez, arrête de me calmer. Vous avez attendu ce que le prince a dit il y a quelque temps de cela? Oui, votre majesté. Qu'il voulait voir le corps? Oui, votre majesté. Donc, allez chercher le corps. Oui, votre majesté. Igwe, une chose de plus. Souvenez-vous que nous lui avons dit qu'elle a cogné sa tête à une pierre. Oui ou non? Donc, vous devez vous assurer que le corps ressemble vraiment à ce que nous lui avons dit. Oui ou non? Voilà. Bon. Allez-y. Votre bien, majesté. Allez-y. Igwe. Quand on amène le corps, tu sais, le prince va être violent. Qu'est-ce que nous allons faire? Oh non. Igwe. Laisse ça pour moi. D'accord, entendu. Parti. Comment cela est arrivé? Oh non, 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 ce n'est pas possible. Hey, quelqu'un l'aurait certainement aidé. Hey, je ne peux pas croire ça. Nous sommes baisés. Nous sommes baisés. Qu'est-ce qu'on va dire à Igwe? Que va-t-on lui dire? Cherchons-la d'abord. Elle peut être aux alentours. Allons-y. Ne t'inquiète pas, t'es en sécurité maintenant, ok? Merci. Je croyais que tu n'allais pas dire ça avant. Mais je te connais. Oui, c'est vrai. C'est mon frère, Chuka. Il a été renvoyé puisqu'il avait conduit le prince chez toi. Je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute. Mais toi... S'il te plaît, je dois rentrer chez moi. Ma mère va être morte d'inquiétude pour moi.
Si tu rentres à la maison, on va te tuer. Oh non, s'il te plaît, attends. Tu veux aller, n'est-ce pas? Oui. Ne t'en fais pas. Je peux te conduire jusque chez toi, ok? Allons-y. Tu as dit que tu voulais partir. Oh, maintenant tu vois? Où est-elle? Votre Majesté. S'il vous plaît, où est-elle? Votre Majesté, avant que nous arrivions, les animaux sauvages... Les animaux sauvages et les vautours l'avaient déjà dévoré. Et tout ce que nous avons vu, c'est les os. Oui, Votre Majesté. Seulement les os. Les os. Exact. Fiston, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne te pardonnerai jamais pour avoir enlevé la vie de la pauvre fille. Je ne te pardonnerai jamais pour avoir tué la femme que j'aimais plus que tout. Les dieux te puniront pour ceci. Les dieux te feront payer cher pour ça. Mon prince. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton fils. Je ne suis plus l'héritier direct du trône. Tu peux aller chercher celui qui sera ton héritier. Non, mon prince. Igwe. Je vous salue, mon prince. Je vous salue, le prince le plus beau que j'ai jamais vu. Mon prince, mais vous allez apprécier ce que je suis au point de vous dire. Oui. Tu feras mieux de ne pas perdre mon temps. Oui, mon prince. Mon prince, suivez-moi. Es-tu fou? Es-tu fou? As-tu perdu la tête? Non, mon prince. Tu ordonnes ton prince de te suivre? Je suis désolé de vous avoir donné des ordres. Hein, je suis désolé et je ne vous donnerai plus d'ordre. Mais je suis sûr que vous allez regretter de ne pas me suivre. Attends. Si tu joues avec moi, assure-toi que je vais te dévorer vivant. Ça, je te le promets. Je sais que vous ne ferez rien de tel, car vous allez apprécier ce que vous allez voir et entendre. Venez, mon prince. Tsuka. Mon frère, grand frère Tsuka. Les voilà. Je vous salue, mon prince. Tsuka, que fais-tu ici? C'est ici que j'habite avec mon frère. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé à cause de moi. C'est pas grave, mon prince. Vous voyez? Si vous ne m'aviez pas suivi ici chez moi, vous n'auriez pas vu... mon prince, s'il vous plaît, mon prince. C'est pourquoi s'il vous plaît. Tu m'as fait venir ici? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ayez pitié, s'il vous plaît. You cannot fight true love. It's a very strong force to truly love. It's not by force. Es-tu toujours en vie? Oui. Ton père a envoyé ses gardes pour me kidnapper et m'enchaîner dans la forêt. C'est lui là-bas qui m'a sauvé la vie. Oui.
Oui, je l'ai fait. Vous devriez me remercier pour ça. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Adjike. Merci beaucoup, Adjike. Oui, mon prince. Je ne peux pas croire que tu as failli perdre ta vie à cause de moi. Oui. Il m'avait presque tué, mais il est revenu me sauver. Obianujo, je ne laisserai jamais rien t'arriver à cause de moi. Mon amour pour toi est si fort. Mais mon amour pour toi n'est pas ce qui va nous mettre ensemble. Que veux-tu dire? Mon père et ma mère ne veulent pas nous voir ensemble. Et ils feront tout pour te voir mourir. Obianujo, je suis vraiment désolé. Mais nous ne pouvons pas être ensemble. Je suis vraiment désolé. Au revoir. Bye bye, prince. Où vas-tu? Tu as vu ça? Je ne savais pas que le prince était un lâche royal qui ne pouvait même pas se battre pour celle qu'il a. Vas-tu fermer ta sale gueule, Chiquet? Les dieux sont sages et ils ont raison pour tout. C'était une mauvaise expérience, ma reine. C'était horrible. Tu avais besoin de voir comment mon propre fils m'a parlé comme s'il s'adressait à un enfant. Mon propre fils m'a dit face à face que toi et moi devons oublier d'avoir un fils et qu'il n'est plus l'héritier direct du trône. Après tout cela, mon fils m'a dit face à face que les dieux vont nous combattre. C'était horrible. Sa Majesté, es-tu sûr que Obiajuno est vraiment morte? Cela ne pourrait pas être un problème parce que les gardes m'ont dit que les animaux sauvages l'ont dévorée là où elle a été attachée. Et je crois ça. Je t'ai informé de ce qui s'est passé. S'il te plaît, nous sommes désolés. Pardonne-nous, s'il te plaît. Je devrais être celui qui demande pardon, Votre Majesté. Cela m'éclaire que ce n'est pas la volonté des dieux pour moi d'épouser Obianujo. Je suis désolé pour mon entêtement. Je suis désolé pour mes actes. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Votre Majesté. C'est pas grave, mon fils. Je n'ai rien contre toi. Fils, lève-toi. Merci. Je t'en prie, maman. Ça va. Père, comme nous venons d'enterrer la hache de guerre, j'aimerais que, s'il vous plaît, Votre Majesté, vous fassiez appel à Onowu et sa fille. J'ai quelque chose de très important à dire. D'accord.
Tu as entendu le prince? Bien entendu. Alors, vas-y. Oui, Majesté. Allez, cours! J'ai appelé tout le monde ici parce que je sais que je vous ai offensé par mes actes. Je veux dire, je suis désolé et demander votre pardon. On a d'autres choix que de pardonner à notre fils. Bien sûr que oui. Ça va, mon fils. Tu es pardonné. Mon prince, ma fille et moi n'avons rien contre toi. Nous t'avons pardonné. Nous t'avons pardonné. Ok. Je sais que je ne t'ai pas bien traité à cause de Obianodio. Je suis désolé pour ça. D'accord, mon prince. J'étais sous son emprise. Je le savais. Mais remerciant Dieu qu'elle est maintenant morte, j'ai retrouvé mes sens. Je vais aussi profiter de cette occasion pour dire, devant mon père et ma mère, et ton père ici, que je vais t'épouser. Je veux que tu sois mon épouse et la future reine de ce royaume. Dis oui. Oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Mon prince, elle a dit oui. Gloire à Dieu. Notre fils a finalement fait notre joie. Je savais que jour pareil allait venir. Je l'avais vu. Je l'avais vu. Moi, oh non, je l'avais vu. Ma reine, merci beaucoup. Merci. Nous devons parler immédiatement de la date du mariage. Oh, bien sûr, on doit parler de tout ça. D'accord. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour passer cette information. Qui est dans 2 semaines. Mon fils et Nken vont se marier. Où sont les gardes? Amenez la boisson. Ouamé, ouamé. Ouabuna chime, ouamé. Ah. Ariyekwemo. Wabunechimo, wabu. S'il te plaît. Je sais que tu n'es pas contente. Je sais que tu es dans une intense douleur. Mais je te supplie, maman, je suis désolé pour toute peine que je t'ai causée. Où est mon enfant? Où est-il passé, mon soleil? Pouvez-vous me répondre? Maman, elle est morte. Chime! Chima! Onyeka na kusela!
venue me punir de cette façon. À mon temps, mon seul enfant. L'unique aide d'une pauvre veuve aveugle. S'il te plaît, arrête de pleurer. Hein? Arrête de pleurer. Ferme ta bouche. Qu'est-ce que ma fille t'a fait, Igwe? Quel crime a-t-elle commis contre vous? Pourquoi le prince qui voulait-elle est ici vivant, seulement ma fille qui est morte? Où est mon eunuque, hey? Où est ma fille? Maman, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu ne manqueras de rien pour le reste de ta vie. Je promets de fournir tout ce dont tu auras besoin. Comme preuve, je viens de t'apporter deux chèvres. Aucune chose ne peut prendre la place de ma fille. Rien ne peut remplacer mon enfant. Même pas toutes les richesses de cette terre. Écoute, nous te mettrons à l'aise. Nous prendrons soin de toi. En fait, nous allons reconstruire cette maison pour toi. Allez loin de moi, les diables! Mon Dieu! Que le Dieu de nos terres bénisse même mille fois! Maman. Idiot! Maman, s'il te plaît. Un homme insensé! Maman, s'il te plaît. Allez, sortez de ma parcelle! Mon prince, partons! Partez! Partons! Sortez! Partons, mon prince, partons! Inutile, Jenny! Va-t'en! Va-t'en! Sortez! Un homme insensé! Va-t'en! Partez! Tu es malin! Allez-vous-en! Insensé! Un trouble fait! N'importe quoi! Partez! Mawanayo! Mawanayo! N'importe quoi! Où sont mes enfants? Ils sont partis. Ils sont partis. Tu l'as bien fait. Tu as très bien joué. Je vois encore comment tu peux. C'est terrifié vraiment. Quand nous on était cachés à l'intérieur. Où sont les histoires qu'ils ont amenées? Deux chèvres, maman. Oui, Mibali. Deux chèvres? Oui. Deux? Oui, maman. Oui, maman. Mibali, penda est bon, moi. Maman, il y a deux là. Hein? Alors, on peut prendre l'une et on te laisse. Ok. Il n'y a pas de problème. Vous savez. Vous vous prenez une chèvre. Hein? C'est pas un problème. Merci, maman. Maman, vas-y. Prenez une chèvre. Allez, en profiter, hein. Ne t'en fais pas, maman. On va bien profiter de ça. On va vraiment profiter de ça. Maman, allez, merci beaucoup. Bien. Maman, merci, hein. Merci. Maman, on part, hein, maman. Je vais revenir après. Ok, ce n'est pas un problème. Que les dieux soient loués. Aujourd'hui, devant la présence de tout le monde, je vous donne ma bénédiction. Applaudissez, applaudissez. Oh. À partir d'aujourd'hui, vous êtes liés ensemble comme mari et épouse. Amen, amen, amen. Et personne peut vous séparer à l'exception des dieux. Alors, Ono, dans l'obéissance au roi, tu as amené ta fille. Oui. Pourquoi ne pas montrer à notre peuple que tu donnes réellement ta fille à mon fils en mariage? Merci. Kwanakao. Quand
You cannot fight true love. It's a very strong force to truly love. It's not by force, no matter what the people say. Que tout le monde fasse du bruit au nom de mon épouse et la future reine de ce royaume. Je ne veux pas te marier avec le prince. S'il vous plaît, c'est le jour de mon mariage. Écoute, s'il vous plaît. Viens. Allons-y, non. On t'attend là-bas, au palais. Et je veux que tu te lèves. Alors, délie-toi et allons-y immédiatement. Oui, c'est vas-y, bon, fais-le vite. Allons-y. Bon, tu ne peux pas. Bonne fête de mariage. Je vous en prie. Attends, Adjuké, tu veux l'aider? Moi? Mais dis-moi, pourquoi non? Pourquoi je ne veux pas manquer cette nourriture au palais? Attends. Allons-y. Alors, s'il te plaît, allons-y. Ok, allons-y. S'il vous plaît, sortez-moi. Ok, allons-y. Dénie-toi, non? S'il vous plaît, je vous en prie, ne me laissez pas toute seule. Allons-y. S'il vous plaît.